Bon, eh bien, je me trouve à Bidart, Pays Basque, pour faire une rando pédestre. Alors là, Bidart, c'est entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Là, je suis à la plage de Uaibia. Je vais faire la rando pédestre. C'est un circuit balisé en jaune qui suit la côte un peu, qui va me faire arriver à Saint-Jean-de-Luz. À la pointe de Saint-Jean-de-Luz là pour avec vue sur la baie. Alors là je suis au niveau du parking comme je disais. Il est tôt là ce matin. Il fait un temps pourri sur les Pyrénées. Donc j'ai préféré j'ai un peu checké la météo et normalement il devrait faire beau sur la côte. Et donc là on a vu sur la rune là-bas au fond. Ouais, donc je disais il y avait un peu de pluie ce matin et là ça se dégage. Ça fait là ben, au niveau du parking là j'ai cassé un peu la croûte avant de partir là. Et donc il n'y a pas eu d'averse en attendant enfin pour l'instant. Espérons que ça se maintienne. Et que j'ai du soleil. Ouais, en fait, mon circuit bah, il va me faire arriver à Saint-Jean-de-Luz et après je reviendrai par le même endroit, quoi. Ouais. Je reprendrai le même chemin au retour. Avec peut-être des variantes, on verra. Bon, déjà à 8h30, là, il y avait déjà des surfeurs là-bas sur la vague, les vagues. Il y a un spot de surf là. Ok, il y a pas mal de monde là, enfin pas mal de monde. Enfin des randonneurs et des. Enfin pas des randonneurs, des. Des runners, des mecs qui courent. Je pense qu'il y aura des randonneurs aussi. Autrement, on peut partir d'un peu plus loin là. C'est-à-dire, il y a un autre parking plus loin avant le. Juste à la sortie de. De Biarritz là et l'accès était fermé parce que bon, il y avait c'est une baie, une enclave quoi, et puis c'est assez encaissé et c'était érodé et, donc ils ont fermé l'accès au parking et au rando quoi à cause de l'érosion. Allez, je vais m'engager sur le circuit là qui fait le rouge à la côte. Allez, à plus. Bon voilà la vue sur la plage de Uabia, à Bidart. Voilà un spot de surf. Et là je vais m'engager sur le sentier là. Je prends ici les marches. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai le petit bonnet en lycra et les gants en lycra là. C'est bon, ce matin il fait pas très chaud. Hein. Bon, il fait entre 6 et 8 degrés. Après, ça devrait se réchauffer dans les 13 degrés, ils annoncent. Bon, alors le circuit il est. Bon, il est à la fois sympa et un peu chiant parce qu'il fait passer. Des endroits sauvages, enfin sauvages, le long de la côte, c'est un peu sauvage, et d'autres endroits où bah, c'est un peu urbain quoi. Avec les habitations, et comme c'est assez touristique et très prisé par les surfeurs, il y a plein d'écoles de surf, de boutiques, etc. etc. Camping. Et tout quoi. Voilà. En fait, voilà, là je vais rattraper la route
Après, je replongerai sur un sentier, je pense. Jolie maison style basque. Allez, à plus. Bon, oh, vue sympa là sur la plage de Duabia, de Bidar. Là, ben, je suis garé en bas, en dessous, là, au niveau du parking. Là, je viens de faire la montée là, par les escaliers. Et là, je vais m'apprêter à continuer mon circuit. Bon, le spot de surf là, dont je parlais là-bas. Il y en a un ici, là, plus sur la droite aussi, qu'on verra. Enfin, sur la gauche, qu'on verra plus tard. Et au loin, on a Biarritz, Bayonne. Allez, on va continuer.